c'est Cynthia, j'espère que vous allez bien. Mon Dieu, ça fait combien de temps que j'avais pas fait un maquillage de star sur ma chaîne? Je crois que ça faisait un an. Mais ça me tentait de continuer cette série-là et je vous ai demandé sur Instagram la semaine passée quelle star vous aimeriez voir. J'en ai déjà fait plusieurs, mais une qui est revenue très souvent, c'est Lady Gaga. Puis au début, je pensais pas la faire honnêtement parce qu'en fait, j'ai déjà fait son maquillage dans ma série maquillage de star. Mais s'il y a bien une star qui a pas un maquillage signature, quelqu'un qui se réinvente tout le temps, c'est Lady Gaga. Fait que je me suis permis une petite exception étant donné qu'elle a toujours des looks différents et le look que je porte en ce moment, c'est celui qu'elle portait, je pense, aux Grammys. C'était en janvier. Je pense que c'est un de ses maquillages les plus chics, les plus féminins, les plus portables même. Je voulais pas en faire un trop edgy parce que je me disais que vous pourriez pas le porter, moi non plus d'ailleurs. Mais celui-là, je le trouvais vraiment beau. Il est super glamour, donc c'est un smokey eye mais eyeliner avec un beau dégradé de gris et de vert plus des petites paillettes qui viennent compléter à merveille ce look-là. Donc c'est ma reproduction de ce look-là. J'espère que vous aimez. Puis pour de vrai, c'est un maquillage qui est vraiment facile à réaliser. Si vous êtes débutante en maquillage, je vous le conseille vraiment pour une soirée. On n'utilise pas d'ombre à paupières poudre dans ce look-là, peu de pinceau, puis pour de vrai, ça se fait quand même assez rapidement. Fait que voilà, je vous en dis pas plus. Si vous aimez, laissez-moi tout de suite un petit pouce en l'air et c'est parti! Ok tout le monde, alors on va être prêt à commencer. Moi je vais y aller directement avec les yeux parce qu'il peut y avoir des chutes. Je sais pas si vous avez remarqué, mais elle a des brillants sur les yeux. En passant, ma face est rouge parce que je sors de la douche. Là, si vous vous demandez c'est quoi, non, c'est pas les résidus de ma dernière vidéo où je testais l'appareil qui suce les points noirs. Ma peau s'est bien rétablie, c'est vraiment juste l'eau chaude, puis j'ai le nez aussi un peu enflé, un peu rouge. Ça, c'est mes allergies qui sont revenues mystérieusement depuis deux jours. Si vous connaissez pas l'histoire de mes allergies, en passant, j'explique tout ça sur ma chaîne de vlog. C'est fabuleux, vous allez voir. Donc pour les yeux, j'ai déjà appliqué ma base pour sauver un peu de temps. Là, on va pouvoir aller directement faire son eyeliner. Moi, j'aime mieux commencer avec ça. Il y a différentes façons d'interpréter son maquillage et de choisir un peu l'ordre des étapes, mais moi, j'aime mieux aller faire tout de suite comme la shape assez prononcée, assez pointue qu'elle a au coin externe des yeux. Puis après ça, ben, on va remplir, on va fumer ça un petit peu. Mais pour moi, j'ai l'impression que tout part du liner avec ce look-là. Fait qu'on va commencer tout de suite avec le Longwear Gel Eyeliner de Bobbi Brown. Si je me fie à la photo, son eyeliner, il est quand même assez large, puis il finit très pointu à peu près ici. Donc on s'enligne vraiment vers la fin du sourcil. J'y vais quand même assez épais et à partir du milieu de l'œil, je viens quand même juste le fondre rapido au coin interne. Et là, stressez pas si c'est pas parfait hein, parce que c'est le look tout indiqué pour rater son eyeliner. Si vous êtes pas très bonne avec cette étape-là, c'est un look parfait pour vous. Parce qu'au final, tout va être smudgé, tout va être estompé. Donc bref, je continue au coin externe. Là, pour l'angle, c'est vraiment comme arrondi ici. Et on s'en va vers le sourcil. Avec une petite pointe comme ça. Maintenant, je viens épaissir au coin externe. En fait, si je regarde la photo, c'est difficile à dire exactement où le liner arrête, mais on sent qu'il a comme été estompé, qu'il a été mélangé avec l'espèce de gris qu'elle a sur la paupière après. Donc j'y vais, je continue d'aller toujours un peu plus haut. Maintenant pour la deuxième étape, au début je pensais que toute sa paupière était en noir, mais là quand je zoome, je vois vraiment une différence entre son liner qui est noir et le reste de la paupière qui est comme plus dans des tons fumés, un peu soit gris, à tendance kaki. En fait je suis pas trop sûre si c'est les paillettes qui font l'effet un peu verdâtre, mais il y a un petit peu d'olive dans son maquillage aussi. Mais là j'ai trouvé vraiment le crayon parfait pour aller faire son smoky, c'est de Prestige, c'est le Night Light, un crayon waterproof qui tient 16 heures de temps et c'est une espèce de gris avec des brillants, je vais vous le swatcher ici. Lui ce que j'aime c'est qu'il sèche pas trop vite, des fois il sèche vite puis c'est difficile à rattraper si on fait une erreur, mais lui il n'y a pas de danger, donc je vais l'appliquer partout en haut du liner. Et tout de suite donc on va attraper un pinceau plat et juste venir fondre et étirer tout ça. Donc partout sur la paupière mobile, on va pas dépasser le creux, je vais juste fondre un peu. Plus je m'en vais vers le sourcil, plus j'y vais délicatement comme sur la pointe du pinceau pour pas rajouter trop de produit. Ce qui est le fun aussi avec ce crayon-là, c'est qu'il y a déjà des petites paillettes, donc si jamais vous voulez pas en mettre parce que vous avez peur que votre maquillage, ben que ça tombe en fait, que ça tienne moins longtemps, ben au moins là-dedans, ils sont fixés, il n'y aura pas de stress que ça tombe sur votre visage dans la soirée. Si jamais c'est pas parfait à certains endroits, on peut repasser, en tout cas avec ce crayon-là, on peut. Des fois, c'est vrai que ça fait un peu patchy, mais lui, je sais qu'il est comme suffisamment crémeux pour permettre des retouches, donc j'en rajoute au besoin. Au besoin aussi, comme moi, vous pouvez repasser un peu avec l'eyeliner noir parce que des fois on est allé trop bas dans notre estompage et on voit plus trop bien l'autre couleur, donc je repasse un peu juste pour intensifier au bon endroit. Prochaine étape, je vais aller mettre du crayon noir dans la muqueuse comme elle a. Donc encore une fois, super simple, on y va généreusement. Et je vais pas hésiter à le faire baver un petit peu aussi dans la ligne des cils du bas comme ça.
et utiliser un pinceau ou une petite éponge juste pour venir fondre le tout. Prochaine étape maintenant, je vais aller rendre mon coin interne un peu plus olive parce que je vois vraiment cette espèce de sous-ton entre le gris et le vert au coin interne de ses yeux. Donc pour ça, je vais utiliser un crayon d'Urban Decay, les 24/7, en couleur Mildew. Ça veut pas dire moisi, ça, ou quelque chose de même. Donc délicatement, on est encore dans les crèmes, hein, je vous dis, il n'y a aucune ombre à papier à poudre. Je vais rajouter ça donc juste ici. En fait, je vais le fondre un peu avec la ligne des cils en bas, genre par-dessus un peu le crayon noir que j'ai mis, juste pour faire une petite teinte, une petite variation intéressante. Écoutez, c'est pas tellement plus difficile que ça pour le maquillage des yeux. Là, ce qui reste à faire, c'est mascara, faux cils et paillettes. Je vais les mettre en tout dernier pour pas que ça tombe sur le maquillage. Donc, recourbe cils. Bien important, même si vos cils sont naturellement un peu courbés, si vous mettez des faux cils, ils vont l'être plus que les vôtres probablement. Donc, c'est important de leur donner comme la même curve. Pour le mascara, je vais utiliser le Hot & Naughty 2 Black Lash de MAC. J'en mets en bas, mais je vais en enlever avec une petite brosse comme ça, les petits goupillons. Juste comme enlever l'excédent en frottant comme ça, parce qu'elle a presque pas de mascara en bas en fait. Pour les faux cils maintenant, on s'en sort pas, hein. Il y en a dans tous mes tutos de stars, c'est normal, il y en porte tout le temps. Mais vous à la maison, c'est vraiment comme vous voulez, c'est facultatif au sens où quand on a un smoky, les cils on les voit pas beaucoup. On le voyait vraiment juste quand on regardait par en bas, tu sais, que ça curlait comme ça, ou quand on était de profil, donc ça peut faire plus beau, mais c'est quand même facultatif. Moi je vais utiliser celui-là de Eskido, c'est les Unforgettable. Donc je vais aller coller ça tout de suite et je vous reviens. Juste avant d'aller s'occuper des sourcils, on va passer à une étape cruciale, c'est-à-dire les paillettes. Celle qu'elle a sur sa paupière mobile, en fait, c'est vraiment comme des petits flex. C'est pas des paillettes rondes, c'est ça qui fait vraiment beau et moins quétaine, moins drag queen ou Halloween. Donc pour ça, j'avais pensé utiliser ces Reflex Glitter-là de MAC, c'est les Reflex Pearl, donc dans le fond, qui sont un peu blanches, argentées. D'après moi, ça va être vraiment beau si je le rajoute comme juste délicatement par-dessus mon smoky. Puis aussi, on remarquera que Lady Gaga en a jusqu'aux sourcils. Moi, je vais peut-être y aller un petit peu plus bas. C'est ce qui rend son look un peu plus edgy, high fashion. C'est sûr que si c'est genre pour le nouvel an que vous portez ce look-là ou quelque chose comme ça, go crazy, vous pouvez en mettre jusqu'aux sourcils, mais si vous cherchez quelque chose d'un peu plus portable, je vous dirais de pas trop aller haut, peut-être s'arrêter à peu près ici. Et là, je vais faire attention de pas les renverser parce qu'il y a à peu près 2 semaines, ça m'est arrivé exactement avec ces brillants-là. Le bouchon m'a comme sauté dans les mains puis ça a tout déversé dans mes tiroirs de maquillage juste ici. Je vous dis pas l'horreur que ça a été à tout nettoyer, item par item, les tiroirs. On va y aller doucement. Ce que je fais là, c'est juste d'humidifier légèrement un pinceau plat pour aller comme les prélever. Je veux pas trop mouiller le pinceau parce que là, ça va devenir opaque comme effet sur la paupière mobile. Je sais pas si vous me suivez. Et donc, je vais aller déposer ça partout sur la paupière. Ouh, c'est quand même opaque. Donc, je vais espacer et monter tout de suite un peu sur l'arcade sourcilière. Wow, ça fait tellement beau! Oh, les brillants, ça change tellement un look, hein? Je pense que les siens sont peut-être un peu moins fins, mais tu sais, on a vraiment le même effet. Donc, allez-y vraiment au goût. On n'oubliera pas non plus le coin interne et un peu sous les yeux. Je vais juste balayer qu'est-ce qui est tombé sur mon visage parce que c'est immanquable. Aussi, je sais pas si ça va faire une différence, mais je pourrais essayer de mettre un peu de fixatif comme plus sur la zone des yeux. Là, attention à bien fermer vos yeux quand vous faites ça, mais peut-être que ça va comme les coller un petit peu en place. Donc je vais me tenter avec le Fix Plus, non, Fix Makeup de Clarins. Ok, là on va pouvoir les passer aux sourcils. J'avais plus que hâte parce qu'on s'entend qu'il faut vraiment adapter les sourcils avec un genre de maquillage comme ça qui est très smoky sur les yeux. Je vais utiliser mon Brow Power de It Cosmetics parce qu'elle a comme les sourcils châtains foncés. Elle les a quand même assez rapprochés puis ils ont une petite forme un peu arrondie. Ils finissent quand même assez minces ici, donc si jamais vous voulez reproduire le même style qu'elle, vous pourriez y aller comme ça. Donc j'épaissis pas mal ici à la base et à partir d'ici ça devient quand même assez mince. Bon, pour fixer le tout maintenant, je vais mettre un peu de gel à sourcils, ça c'est celui de Dr. Oshka, je l'aime bien. C'est une formule qui est 100% naturelle, bio, tout ce que vous voulez, mais pour de vrai, je trouve qu'il va tellement bien. Il fixe pas autant que l'Anastasia, mettons, mais pour une tenue souple, pour un petit maquillage bien discret des sourcils, là, il fait vraiment la job. Le teint de Lady Gaga pour ce maquillage-là, c'est vraiment comme un beau teint de porcelaine, donc qui est mat, super unifié, assez clair aussi, il y a pas trop de contouring, blush et tout ça. Donc je vais y aller pour mon Ultra HD de Makeup Forever, qui a vraiment comme une bonne couvrance. J'en mets un peu partout.
partout comme ça. C'est un fond de teint stick en crème. Et j'aime ça le travailler avec des éponges ou des pinceaux brosses comme ça parce qu'il y a besoin d'être comme travaillé. Là. Je veux dire, c'est pas un petit fond de teint liquide et léger, naturel. Donc j'étale ça partout. J'ai pas vu son film encore. Tout le monde me dit que c'était bon, A Star Is Born avec Bradley. J'ai pas vu encore. Dès que je vais avoir un petit peu de temps pour aller au cinéma, là, c'est sûr que je m'en vais voir ça. Ça puis Animaux Fantastiques 2, mon dieu, j'ai tellement hâte. Parce que je vais être en France quand il va sortir, fait que je vais le voir à mon retour seulement. Faut que je cache mes rougeurs. J'ai l'air d'un vampire en ce moment. Pour le cachant, maintenant, je vais utiliser les Magic Away de Charlotte Tilbury. Je vais mixer deux teintes, donc la teinte la plus foncée, la numéro 4. Je vais la mettre plus ici, en fait, où mes cernes sont le plus foncées. Et la deuxième teinte, je vais la rajouter après, en fait. Une fois que j'ai placé ça, je vais venir comme illuminer le dessous de mes yeux avec la teinte numéro 3. Je vais aussi la mettre sous mon nez qui est encore rouge et n'importe quelle autre rougeur que vous avez dans le visage qui vous énerve, allez la corriger avec ça. Hi, c'est là qu'on comprend l'importance d'un beau teint quand on fait un smokey eye. Hein? La différence est intense. Ok, maintenant je vais aller poudrer avec ce duo-là de Make Up For Ever. Donc je prends la teinte la plus claire dans mon front premièrement. En fait partout parce qu'elle a vraiment le teint mat. Donc je matifie et je fixe en même temps. Surtout sous les yeux pour fixer le cacherne. Avec le fard brun clair, maintenant, je vais aller faire un petit peu de contouring. On n'en a pas beaucoup, mais je vois que ses joues sont un peu définies, puis elle a un cheekbone qui est quand même assez haut. Fait que je vais essayer d'aller le mimique juste comme ça. Avec sa forme de joue aussi, il faut y aller quand même assez vertical. Elle a pas de contouring dans le front, mais elle a le front qui est beaucoup plus étroit que moi. Donc si je veux essayer d'avoir un peu plus sa forme de visage, disons, j'en mettrai là aussi. Elle a aussi un petit peu de brun sur le menton, juste au bout. On en a aussi le long du nez. Et c'est pas mal ça, elle a pas de highlight apparent. Je vous dirais d'en faire un mât si jamais vous voulez faire sortir plus vos cheekbones, mais sinon on n'est pas obligé d'en mettre. Et finalement, pour aller avec son petit rouge à lèvres, on sent une espèce de blush rosé mais très pâle. Donc je pense que le pétale de Studio Makeup va bien fonctionner pour ça. Juste une petite touche pour rehausser le teint. Oh wow, ça fait beau. Il est bien beau, coudonc, ce blush-là. Je l'utilise pas assez souvent, je pense. Yay! Yeah! Fait que le teint est terminé. Il va juste nous rester les lèvres. Je vais juste le fixer tout de suite avant d'oublier à la fin. Donc, je réutilise mon fixatif de Clarins. En tout cas, à date, ça a l'air de tenir. Hein? Sur les yeux, j'ai eu aucune chute. C'est quand même vraiment bon. Fait que vous saurez le truc de vaporiser les yeux. Les paupières, plutôt. Pour les lèvres, je sais pas exactement quel rouge à lèvres elle a utilisé. Mais moi, ici, j'ai le Modesty de MAC qui ressemble un peu à ce qu'elle a, qui est vraiment comme un rose pâle. Je pense même que ce cas-là, c'est un peu plus nude que ça, donc je vais juste mettre du cacherne sur mes lèvres pour aider. Et vous remarquerez que sur la photo, Lady Gaga, elle a vraiment les lèvres très rondes, très exagérées au crayon à lèvres. Elle a probablement aussi des fillers, hein, parce qu'elle a les lèvres assez lisses, assez bombées. Chose que je n'ai pas, alors attendez-vous pas au même résultat, mais je vais quand même grossir un petit peu ma bouche. En commençant donc avec ce crayon à lèvres-là, Stay All Day de Stila en Pink Moscato. Alors finalement, voilà ce que ça donne pour mon look de Lady Gaga. Est-ce qu'on se ressemble? Donc si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de me laisser un petit like avant de partir. Aussi, vous pouvez me dire dans les commentaires quelle prochaine star je devrais faire. J'en ai déjà fait beaucoup, fait que je vais vous remettre ma playlist de maquillage de star juste ici. Mais en attendant vos réponses, je vous souhaite une magnifique journée. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye!